Ah, ils bloquent les trains, on bloque tout. Et donc, entrave à la circulation, ils nous bloquent, on n'a plus le droit de manifester. Parce que s'ils nous bloquent, c'est qu'on n'a pas le droit de manifester. Ils nous disent qu'on a le droit de manifester dans un pays de droit. Donc, excusez-moi, on n'est plus dans un pays de droit là. On respecte plus les règles dans ce pays. Donc, et les patrons voyous et les multinationales, vous inquiétez pas, ça va être à votre tour. Vous avez profité de l'argent public, les 100 milliards, tu vas les rendre. On lâche rien. Eh, ton pins que t'as fabriqué, c'est du délit de détournement de fonds publics. Donc tu vas nous rendre les 100 milliards, Pierre Gattaz. Et les multinationales là, qui payent zéro d'impôt, qui prennent 20 milliards d'euros par an, et en plus ils payent zéro impôt. Donc les 20 milliards, c'est de l'évasion fiscale. Merci, merci le gouvernement de Plouc. Vous êtes des clowns, et tout le monde sait, et on compte plus sur vous. Emmanuel Macron, on est sur l'Elysée. C'est toi ? On est venu te chercher. Donc t'es où pour nous répondre ? Elle nous a envoyé des gens qui respectent des lois illégales. L'entrave à la circulation, c'est une loi. C'est vous qui provoquez. Mon capitaine, la rue à droite. Non, je m'en branle de la rue à droite. Hein, c'est là-bas que ça caillasse. Une 200. T'as une 200 toi? Ah, une 200, c'est parti. 200. Est-ce que tu les vois là? Capitaine. Bon. Capitaine. Ouais. Putain, mais c'est quoi ça? C'est des blessures principalement au flashball et des brûlures aux yeux, au visage à cause de lacrymogène. Mais c'est, il y a eu des gros blessés, mais moi je ne les ai pas traités aujourd'hui. Voilà. Écoutez, il s'en fout, il tire sur le peuple. On est là pour manifester, c'est les droits de l'homme et il tire sur le peuple. Nous on n'est pas armés, on a les mains en l'air et il nous tire dessus. Et ça, c'est ton visage. T'as trop soulagé. Merci ma gueule. Non,
bêtise, hein, surtout notre violence, surtout nos dégâts. Donc moi je dis que le gouvernement est responsable de tout ce qui se passe. D'accord? Parmi les forces de l'ordre ou bien parmi nous les gilets jaunes, il y en a qui ont perdu un œil. Il y a encore quelqu'un qui a perdu la vie, malheureusement, sera pas sans un niveau. Donc, à vous, les membres du gouvernement, plutôt que nous faire porter le chapeau, assumez, c'est vous les responsables. Vous vous entêtez, ça fait un mois, mais on lâchera pas. Macron, démission! 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 En fait, il y en a tellement que une de plus, ça ne change pas grand-chose en fait. C'est vraiment toutes les taxes accumulées qui font qu'on ne peut pas. C'est pas une taxe, c'est pour ça que je vous dis, la taxe en fait, ça a été la goutte d'eau. Parce qu'il y en a tellement que une, ça a fait exploser la chose. Les gens ne peuvent plus vivre, on se lève le matin, on est taxé. On mange, on est taxé. On va au travail, on est taxé. On va au travail, on est taxé. Donc, on est taxé partout. Et à un moment donné, quand vous voyez que nous, on est taxé, qu'on se serre la ceinture, et que l'État, lui, s'offre des choses qu'ils n'ont même pas besoin, à un moment donné, il faut remettre les choses en place. Et voilà, le peuple a son mot à dire, en fait. Esencialmente lo que los une al principio era el aumento de esa tasa que fue rápidamente suprimida. Pero ahora queda una reivindicación básica que hay que entender bien, es una reivindicación básica que es el aumento del poder adquisitivo. Sí, la gente, los que protestan, que son, no son los más pobres de Francia, no son los que están pidiendo caridad, en general son trabajadores pobres o jubilados pobres que cobran una jubilación, que tienen un salario, pero el salario no les permite vivir. Personas, millones, ahora vemos que según los cálculos son 23 millones de personas, o sea, el tercio de la sociedad francesa, que están reclamando un poco más de dinero para salir de la situación de asfixia en la que se encuentran. Al margen de estas medidas está el hecho de que una de las reivindicaciones fundamentales de la gente de los rurales, los que viven en provincia, es el desmantelamiento progresivo de las estructuras del Estado en torno a escuelas, hospitales, liceos, vías, rutas, autorrutas, pequeños autobuses o pequeños o ferrocarriles que en general antes existían en zonas que ahora simplemente no la tienen o que las personas que viven allí tienen que tener un coche. Y como tienen un coche y se pretendía subir el precio del combustible, todo ha confluido a generar un malestar y un descontento muy grande. Donc en fait, les gilets jaunes, ce qu'on veut, c'est avoir une vraie démocratie.
Donc que ce soit le peuple qui puisse donner son avis, puisque là les décisions sont prises par des parlementaires mais qui ne nous représentent pas. Donc nous voulons un référendum d'initiative citoyenne inscrit dans la Constitution en modifiant l'article 3, puisqu'il existe un article dans la Constitution mais incomplet en fait. Donc nous voulons compléter cet article. On est tous partis pour la même chose. Et en fait, vu que notre président ne tient pas compte de ce qu'on demande et nous donne, on va dire, des miettes, parce que ces propositions qu'il a données à son interview récemment, tout le monde est d'accord pour dire que c'est des miettes dans un océan de bazar et qu'il faut remettre tout à plat, retravailler tous ensemble et vraiment faire quelque chose de concret, mais qui est pour nous, le peuple. Pas de là-haut en fait, puisqu'ils ne comprennent même pas, ils ne savent même pas combien on est payé au mois, par exemple. Vous leur demandez combien un Français est payé au SMIG, ils ne savent pas. Uno de los factores fundamentales, y es una decisión, vamos a decir, emblemática, la tomada por el gobierno del presidente Macron, fue eliminar el llamado impuesto a las grandes fortunas, el ISF, que había sido introducido hace 30, 40 años y que existía y que sin que nadie le pidiera, sin que las organizaciones patronales le pidieran, el presidente de la República, Emmanuel Macron, eliminó, y eso significa que el Estado francés, desde hace 18 meses, no percibe, ¿no?, un impuesto que había sido para establecer cierta justicia social en el pago del impuesto, no lo percibe, es más o menos cerca de 5.000 millones de euros. Esa es una de las cuestiones fundamentales que motivó el mote de el presidente de los más ricos, ¿no?, y que eso le ha afectado hasta el día de hoy. Una sociedad donde la repartición del impuesto sea más justa, porque lo que piden es eso, no están contra el pago del impuesto, porque saben perfectamente que es el impuesto el que construye rutas, construye aeropuertos, construye universidades, etc. No están contra eso, simplemente esperan que ese impuesto sea un poco más justo. Nous avons des réclamations, des revendications au niveau des salaires, au niveau des aides sociales qui sont mal redistribuées, puisque nous avons des richesses en France, mais ces richesses sont très très mal redistribuées. Ce sont une certaine catégorie de personnes qui en profitent, qui récupèrent toutes les richesses et qui s'octroient des privilèges que nous n'avons pas. Nous sommes la plupart des Français avec des petits salaires, et nous n'arrivons plus à vivre avec ces salaires. Nous avons énormément de charges et de taxes et cela nous empêche de vivre. Nous ne pouvons même plus nous acheter à manger. Et c'est un grand pays comme la France, c'est absolument incroyable de se dire que nous avons beaucoup d'argent, nous avions beaucoup d'argent et les gouvernements successifs nous ont, au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de corruption et il y a eu beaucoup de détournements. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, nos politiques qui ne sont plus en fonction aujourd'hui continuent de toucher leur salaire. Nous avons 5 présidents qui ne sont plus en fonction et qui sont toujours payés. Nous avons des ministres et des députés qui ne sont plus en fonction, qui sont toujours payés, qui gardent leur salaire à vie. Ça nous coûte énormément d'argent. Et en ce qui concerne les aides sociales, elles sont distribuées aux plus pauvres, c'est-à-dire au bas de l'échelle, ceux qui ne travaillent pas, et les plus riches, eux, s'enrichissent. La classe moyenne, elle, n'a rien. Et nous, ce que nous demandons, c'est que ces richesses soient vraiment réparties. Alors, on n'est pas pour, mais on sait que pour certaines personnes, c'est vraiment la limite de ce qu'ils peuvent subir. Et parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas, qui n'ont rien, qui vivent de rien. Donc, je comprends leur colère,
Et leur, mais je ne les cautionne pas, parce que nous, on est pacifique et on veut que ça reste pacifique. Donc, il n'y a pas... si on est assez nombreux, on n'aura pas besoin d'être violent. Il faut juste être plus nombreux et plus rassemblés encore. Donc ça, c'est en train de se faire. On est en train de se rassembler. El hecho que rápidamente y la tozudez manifestada por el gobierno, tozudez que frisa con el desprecio y con la arrogancia por parte del gobierno, hizo que el movimiento se mantuviera y que estuviera implantado en un territorio nacional. Esto tuvo formas de expresión muy importantes, sobre todo en París, ¿no? Y se expresó en diversas jornadas que... cuya culminación, vamos a decir, fue el 24 de noviembre, donde todo el mundo ha visto las imágenes alrededor de la Plaza Charles de Gaulle Étoile y de la Avenida de los Campos Elíseos, donde la policía debió retroceder ante el ímpetu de los chalecos amarillos y gente que, sin ser, digamos, oficialmente chalecos amarillos, apoyaba, puesto que las reivindicaciones fundamentales de este movimiento son, en primer lugar, el rechazo, la negativa a aceptar un alza del precio de los carburantes que debía comenzar el primero de enero de 2019. El precedente presidente, el presidente socialista, François Hollande, llevó a cabo reformas muy brutales contra los trabajadores, en particular cambió la ley del trabajo, contra la que hubo protestas masivas en todo el país, pero no hubo violencia. Y el presidente no cambió nada, mantuvo la ley. Este presidente Macron, desde que cambió, insistió muchas veces en que no iba a recular, jamás recularía. Hizo una reforma en particular de los ferrocarriles, muy brutal contra los ferrocarriles, muy neoliberal. Los ferrocarrileros, los trabajadores del ferrocarril, manifestaron masivamente, hicieron huelgas constantemente, no hubo concesión. En cambio, estos chalecos amarillos, que no están organizados, que no representan un sindicato poderoso, etc., sin embargo, en tres semanas han hecho retroceder al gobierno y al presidente, en particular porque ha habido violencia. Entonces, evidentemente, mucha gente dice ahora, bueno, habrá que utilizar la violencia, tendré el movimiento... el trabajador tendrá que regresar al uso de la violencia como se hacía en el siglo XIX para poder obtener lo que se desea. No se puede obtener mediante la negociación porque el gobierno no oye a los que protestan. Esto es lo que dicen los sindicatos en particular. On fait différentes actions, on fait des blocages, on fait des filtrages aussi, on fait des pétitions. Des gens viennent nous soutenir en nous ramenant des choses, diverses possibilités, hein, des palettes, à manger, de l'argent pour qu'on puisse acheter des choses. Et avec cet argent, ça nous permet de faire des actions plus grosses avec d'autres villes, ce qui fait que ça a un impact plus gros, puisque au niveau médiatique en France, on ne parle pas beaucoup de nos vraies revendications, puisqu'ils partent sur la taxe de l'essence, mais ça c'est une goutte d'eau en fait qui a fait déborder le vase et l'accumulation a fait qu'on en est arrivé là. Tout à fait, parce que M. Macron a supprimé l'article 3 de la Constitution, l'article 3 qui nous donnait la possibilité à nous citoyens de participer aux grandes décisions. Donc cet article 3, nous demandons à ce qu'il soit remodifié, rétabli, afin que nous, citoyens, puissions participer aux décisions importantes. Monsieur Macron prend les décisions tout seul, sans concertation. Comme il a la majorité, nous ne pouvons absolument rien faire. L'opposition n'a aucune possibilité de changer les choses. Et elle est décrédibilisée en permanence. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait aussi une proportionnelle au niveau de l'Assemblée nationale, puisqu'il faut savoir que M. Macron a été élu non pas par une majorité, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'abstentions
Et tout le monde, enfin, il y a des gens qui ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas du Front National. Pour éviter le Front National, ils ont préféré voter pour lui. Mais M. Macron n'a pas eu de majorité. Et là, nous, on sait que dans l'opposition, il y a énormément de candidats qui aimeraient pouvoir lever la voix, mais ce n'est pas possible. Donc, effectivement, prendre la réalité des choses, c'est-à-dire les votes des gens qui n'ont pas été retenus, mais à l'Assemblée pour pouvoir nous montrer et pour pouvoir aussi contredire ce qui est décidé. El presidente fue elegido en Francia. Hay dos vueltas en la elección presidencial. En la primera vuelta él llegó primero, pero con apenas 20% de los votos. En la segunda vuelta sacó 74, pero es porque la mayoría de los ciudadanos no quería que su adversario, en este caso la dirigenta del partido Frente Nacional en aquel momento, que ha cambiado de nombre ahora, que es el partido de extrema derecha, pudiera ser presidenta del país. Entonces se votó por Macron. Pero del 74% hoy tiene muy poco apoyo. El apoyo del presidente Macron, según los últimos sondeos, es inferior al 15%. Y efectivamente hoy tenemos un efecto contrario. Los dos tercios de la población apoyan a los chalecos amarillos y, digamos, 15% está apoyando al presidente. Entonces la relación de fuerza ha cambiado mucho. Eso probablemente le ha conducido también a ceder. Macron, podemos decir que ocurra lo que ocurra en los próximos días, su mandato está terminado. Él no puede volver a hacer reformas con el país en contra de él. Él le quedan aún más de 3 años de gobierno. En esos 3 años no va a poder gobernar. Es decir, no va a poder más que gestionar, administrar los asuntos corrientes. No puede hacer cualquier reforma, no puede imaginar cualquier cambio necesario, que era lo que él había prometido.